Bonsoir, mesdames et messieurs. Il est vendredi. On est un petit peu plus tôt cette semaine, mais pour une bonne raison. Écoute, vous êtes à GMPQ Média, la station d'écoute. On est avec Mathieu Pellerin et Kevin Lepoil. Comment ça va, messieurs, ce soir? Ça va, toi? Je vais être sûr qu'il n'y a pas de silence. Ça va bien, ça va bien. Non, pas de silence. Yes. On n'a pas le droit. Non. Pas le droit au silence. Alors, écoute, merci d'être parmi nous autres. Merci à tout le monde qui est parmi nous, qui nous écoute. Ben on oui, vous souhaite ben toute oui. la bienvenue ce soir à ce vendredi qui start bien un vendredi. On vous invite à partager aussi, s'il vous plaît. Ben oui, c'est ça, exact. Partager d'un bord et de l'autre. Share the love. Mais des questions, je n'ai pas. Mathieu Pellerin va être là pour justement gêner le influx de questions. Ça fait que gênez-vous pas. Ici, on a la chance de... Si c'est pas forcément des musiciens qu'on parle avec, c'est du monde qui ont rapport avec la scène, c'est du monde qui sont... C'est des piliers, c'est des participateurs. Des vétérans. Des veterans et tout, de tout genre. Ça fait que là, à soir, ben écoute, on parle avec quelqu'un qui a vraiment pas besoin d'introduction, mais on va y en faire une pareille. Ben oui, Carl-Emmanuel Picard. That's it. Le chef d'orchestre de cette production. Le gars qui a fait triper des centaines des milliers, peut-être même des millions de gens par rapport à la scène locale, la scène à travers le Québec. Merci, man. Ben oui, exact. Ça fait que sans plus tarder, on va accueillir l'homme lui-même. Ça fait que on le laisse rentrer puis il devrait s'en venir d'une fraction de seconde. En direct de l'anti, bien sûr. There he is. Hello. Yes. Bonsoir, merci. Carl. Salut, Carl. J'ai changé de décor, comme vous pouvez voir. Ah, ouais, c'est bon, ça. Là. Bonsoir. Je vais très bien, et vous? Ben oui, ça va. Ouais. C'est vendredi, écoute, j'ai une nouvelle bière, je suis allé m'en chercher une tantôt pour commencer l'émission, ça fait que moi, ça va super bien, puis écoute, merci d'être parmi nous autres ce soir, sérieux, c'est fort apprécié que tu sois là. C'est... Ben oui, écoute. On va avoir du fun. Yes, j'ai même pris plein de notes là, avant d'embarquer, là, parce que ça fait longtemps que je fais des shows, donc je voulais vous donner des bonnes informations. Bien parfait. Ben écoute, comme on l'avait dit dans la petite introduction, écoute, n'importe qui connaît Show Live à Québec connaît l'Anti, connaît Carl-Emmanuel, mais pour ceux-là, mettons, qui nous écoutent au-delà de Who Knows Where, peux-tu nous donner une petite bio, nous dire t'es qui, man? Bon, ben excellent. Ça commence avant Facebook, pour sûr. Ça fait à peu près 15 ans. À l'époque, j'allais voir les spectacles dans les centres communautaires. Donc, une certaine époque, là... Il fallait que j'aille chez EXO pour savoir les prochains spectacles. Donc, c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Puis, Avant Facebook, comment, dans le fond? Oui, c'est ça. Donc, moi, c'était Musique Plus ou c'était les concerts dans les centres communautaires. Puis, c'était à l'école secondaire qu'on se parlait un peu de musique entre nous. Puis, honnêtement, si ça n'aurait pas commencé comme ça pour moi, je ne sais pas si, comment dire, tu sais, Facebook puis YouTube, puis tout, je trouve que ça amène beaucoup trop de contenu pour les jeunes, en fait, là, t'sais, pour les jeunes qui essaient de s'intéresser à un truc en particulier. Je trouve que c'est compliqué. Mm-hmm. Et bref, ça pour dire que j'ai commencé à aller voir les shows dans les centres communautaires, après ça à l'Anti. J'ai organisé mon premier spectacle, je pense, le 4 avril 2004. Oh, OK, quand même. C'était avec quel âge, par exemple? Je ne peux pas rentrer dans le bar. Là j'ai 31 ans, on est en 2020. Fait que si on fait 2020 moins 2004, ça fait quoi? Ça fait... T'avais 16 ans, quelque chose? Ben, sûrement moins que ça, même. 15 ans? Wow. Non, en tout cas, bref. Ah, ouais? Genre, j'avais genre 12, 13 ans, bref. C'était Nemesis, puis c'était We're Dying For, puis je me souviens plus de l'autre groupe, puis je me souviens de cette soirée-là en particulier, parce que mon père est traiteur aussi pour les artistes à Québec. OK. Depuis genre 30 ans, fait que j'ai grandi là-dedans par la bande. Puis la veille, je pense que c'était David Bowie, au Colisée. Puis j'avais ramassé une grande bannière dans le fond, dans sa loge. Là. Il prenait des photos, je ne sais pas trop, avec des gens. Puis j'avais décidé d'écrire le nom de ma compagnie à l'époque là-dessus. Puis je l'avais mis dans le bar derrière la scène. Mais tu sais, je ne pouvais pas rentrer dans le bar le soir du show. Je faisais payer les gens dehors. Ah, c'est vrai. J'ai récupéré cette bannière-là. Tu sais, puis, écoute, avec le temps, là, David Bowie, j'ai connu un peu plus techie. Tu sais, à l'époque, j'étais très jeune, donc j'avais pas trop d'intérêt envers cette personne-là en particulier. Mais bref, j'ai perdu ma bannière et je ne l'ai jamais réeu. Oh non! Moi, mon premier gros show metal que j'ai organisé, puis c'était tout qu'un show à part de ça,
C'était le 5 juillet 2007. Okay. C'était à l'Anti, dans la Côte d'Abraham. C'était le Summer Slaughter avec... Il y avait Necrophagis, il y avait Decapitated, il y avait Cephalic Carnage, Kettle Decapitation, The Faceless, As Blood Runs Black, Iron Dissonance, Beneath the Massacre. Il y avait à peu près 400-500 personnes. Puis wow. Je me demande, c'était pas genre 20$ ce show-là, tu sais. Puis c'était comme abordable, là, encore à cette époque-là, en 2007, là, les groupes changeaient pas la peau des fesses. Puis on dirait que c'est ça. C'est à partir, en fait, de cette tournée-là que là, tout a explosé. OK. C'était comme un agent qui s'appelait Ash. Il est parti, entre autres, Summerian Records. Puis maintenant, il fait des films. Puis, tu sais, il y a une grosse baraque genre à Hollywood. Puis, tu sais, plus tard dans le métal, je pense. Mais c'était lui qui avait comme bâti cette première, ce premier type de tournée-là. Puis, ça a tellement été un succès qu'après ça, il y en a eu genre 1 million. OK. Exception que là, maintenant, les groupes chargeaient plus cher. Puis que les billets étaient plus chers et tout. Mais. C'est quand même légendaire, je trouve, de réunir tous ces groupes-là à l'Anti à l'époque. Là. Ben oui, certain. Puis là, ça, et mettons, à partir du premier spectacle, c'était-tu quelque chose que tu dis, OK, moi, je vais booker tout le monde ou je vais booker que du métal? Ça a-tu été un cheminement là, de vers qui ou quoi tu bookais? Au début, c'était vraiment métal, metalcore aussi. Tu sais, comme, mettons, je me souviens, je pense que j'ai booké Suicide Silence, qui est quand même devenu un gros band dans ce style-là. Je pense que j'avais booké genre au Cégep Limoilou, là, dans la petite salle. Bon, ouais. Ouais, tu sais. Carrément, OK. Puis le monde qui était là avant moi, là, ben, tu sais, ils ont booké genre Avenged Sevenfold à l'ancienne Anti. Il y avait genre 30 personnes. OK. Ils se sont fait offrir Slipknot à l'Anti. 400$, puis ils ont refusé. j'ai booké un band metal quelconque, puis le chanteur de ce band-là, maintenant, c'est Skrillex. Là. Il n'est plus dans ce band-là, mais c'est un des plus gros DJ du monde. Puis sinon, ben, on pourra en parler plus en détail tantôt, mais 2010, 2011, 2015, j'ai essayé de faire Motorhead en show. J'ai passé proche en 2015, c'était supposé être le 18 septembre à Québec, mais ça tombait pendant. Qu'il y avait Metallica la même semaine au Colisée. Ah, ok, ouais, tu pouvais pas. Puis il est décédé, elle est mise le 28 décembre 2015. Wow, ok, ouais. C'est ta dernière chance. C'était comme ma dernière chance. Puis ben, j'ai booké Dancer Dance. Parce que c'est ça, en parallèle, j'ai géré des groupes de musique. Fait que, disons, Dancer Dance, j'ai été leur gérant. Donc j'ai réussi à les placer avec Metallica sur les plaines d'Abraham. On est allé jouer au Viper Room à LA. On a fait une émission avec Gene Simmons de Kiss. Mais tu sais, de là avoir une influence, d'être capable de booker une première partie d'un groupe comme Metallica, là, tu dois avoir une méchante fierté quand même. Vraiment, vraiment, parce que tu sais, après ça, j'ai booké ben, ma cousine, c'est Pascal Picard. C'est pas métal pour deux scènes, mais j'avais réussi à la placer avant Paul McCartney sur les plaines. Quand même, c'est, on va se dire, c'est Sir Paul McCartney. J'espère que vous dites encore merci. Là. Je suis impliqué dans le processus. C'est pas moi à 100%, c'est un travail d'équipe. Mais n'empêche que. Là, c'est... Je suis impliqué là-dedans. Puis j'ai booké Mute avant Offspring sur les plaines d'Abraham aussi. Fait que, c'est quand même des belles accomplissements que j'ai fait. Moi, c'est ça que j'aimais à l'époque. C'est juste que bon, je me souviens des tournées avec Pascal quand on était en Europe. Là, on faisait ville après ville. Tu sais, Facebook commençait. Puis ça fait à peu près 10 ans de tout ça. Puis c'était facile, disons, pour des groupes de se faire connaître. Il n'y en avait pas une tonne. Là, maintenant, avec les réseaux sociaux et tout, on dirait que... C'est inondé même. C'est facile d'accès. Oui, c'est ça. C'est... Puis le monde, ça c'est plus par où commencer. Ouais. Juste dans les voitures, il n'y a plus de lecteur CD. Non, effectivement, c'est vrai. Moi, j'ai choisi un char justement il y a un an juste pour ça. Non, un lecteur CD. Mais là, moi, mettons, j'ai une nouvelle voiture, puis il y a un système de divertissement. Tu sais, je peux faire des trucs un peu en streaming, des affaires de même. Puis là, bon, je peux mettre canal, un truc, une chaîne métal, disons. Fait que là, ça passe des groupes, là, un peu comme Spotify, des affaires de même. Mais là, vraiment, moi, j'apprécie ça d'une certaine façon parce que là, je peux découvrir beaucoup de groupes. Okay. Right on. Parce que vous vous souvenez à l'époque de Musique Plus, ben quand on écoutait le clip.
C'est de même qu'on découvrait les groupes, en fait. Là. Absolument. Le petit écriton en bas à gauche, là, puis... Ouais. Sinon, il fallait que tu passes un petit peu de temps là, carrément dans le magasin de musique à la station d'écoute. Là. T'avais une sélection de CD. I know, moi, tout, j'ai passé des heures devant cette mouture. Qu'il y en avait, parce que quand il y avait Claude Dubois, j'étais assez curieux. C'est sûr. Ça fait que là, écoute, on parle de la mi-adolescence. Ça, c'est quand est-ce que tu es devenu propriétaire de l'Anti comme telle qu'on la connaît aujourd'hui? Ben, l'Anti, ça ferait 5 ans cet été. Hein, on était fiers de se rendre à 5 ans, de dire. Souvent, quand tu pars une business, ça prend à peu près 5 ans avant que tu vois si ça va passer. Puis là, je pense que on s'en venait éventuellement. On pensait changer de kit de son. Il y avait beaucoup de positifs qui s'en venaient. Évidemment, là, le 12 mars, je pense que c'était mon dernier show à l'Anti. Mm-hmm. Puis parlant de l'Anti, en fait. C'était la JT avant ici. Tout le monde le sait. Ceux qui le savent, c'était la JT. Pendant 9 ans de temps, j'ai fait des shows à la JT. Okay. Quand la JT, ils ont annoncé qu'ils allaient éventuellement fermer, bien, moi, je les ai contactés et j'ai booké plein de shows dans les semaines avant la fermeture pour qu'ils réussissent à faire des revenus, tu sais, vendre beaucoup de bière. Je me souviens, j'avais booké Barf. J'ai booké plein de shows, bref. Puis à un moment donné, je tombais sur le site de Remax, puis là, c'était écrit la JT avant. Fait que c'était particulier. C'est ça. Fait que là, évidemment, j'avais pas vraiment tout cet argent-là pour acheter une bâtisse et tout. Fait que je suis allé voir Jim Hanick, qui était le propriétaire de l'Anti avant dans la Côte d'Abraham, qui est propriétaire du Exo. Mm-hmm. Puis je lui ai parlé de ça. Puis écoute, je pense qu'en dedans de 3 semaines, on devenait propriétaire de l'Anti. Puis j'étais tellement confiant que j'avais commencé à booker des shows. Okay. Sans même savoir si ça allait fonctionner. Puis même qu'à un moment donné, on s'est fait dire que ça ne fonctionnerait pas. Il avait accepté de vendre à des gens qui allaient partir à une épicerie biologique. Comme. Oh, okay. C'est... Fait que là, je pense que j'ai donné un coup dans un mur. Tant mieux. Mais en même temps, je me suis dit, tu sais, je ne suis peut-être pas là dans ma vie. Tu sais, il va y en avoir d'autres opportunités, là, bref. Mais pour vrai, c'est une belle salle, je trouve. L'endroit en tant que tel. Quand j'ai vu que la JT allait fermer, je trouvais ça très triste. Quand j'ai vu que ça allait rouvrir au nom de l'Anti, j'ai fait « OK, ça peut être plus parfait que ça. » Ouais. Juste le nom Anti, ça c'était nostalgique pour du monde. Puis la place reste ouverte pour la scène locale. C'était parfait. Oui, et puis honnêtement, quand j'ai su que ça allait être une épicerie, j'étais un peu déçu parce que des salles à Québec, il n'y en avait pas une tonne. Là. Mm-hmm. Puis, non, ça faisait peur pour la scène locale au début. C'était de perdre une autre salle encore. Puis, ouais. Puis écoute, là, présentement, avec qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas quand on va réouvrir avec un public. Moi, je me suis dit, moi, ce que je veux, quand on va réouvrir l'Anti, je veux qu'il y ait 200 personnes, une par-dessus l'autre, que tout le monde se touche, que tout le monde body surfing, on se rentre dedans. J'aurais pu faire des shows avec 10 personnes, avec la distanciation, tout, mais j'ai préféré les faire à l'Impérial au Capitole. J'ai préféré faire un virage virtuel. Ouais, OK. Puis, on peut en parler si vous voulez tantôt. Là. Ben oui, ben c'est exactement ça, moi, le dit. On va aller à une chanson, mais avant, je voulais checker avec Mathieu sur nos médias sociaux. Sur nos internets, y a-t-il de l'action? Y a-t-il quelqu'un qui nous pose des questions? Pour l'instant, c'est assez tranquille, mais ça va venir. C'est pas la chanson que tu vas mettre, là? Ben là, c'est ça. On va commencer avec du Hailstorm. OK. Au pire, mais ça me quand t'avais quelque chose à dire par rapport à Hailstorm aussi, on en parle après. Hailstorm, on peut en parler après ou maintenant? Ben là, je présume, dis-nous-les maintenant, on va commencer, puis après ça, on ira pour une chanson. Ça fait garde, qu'est-ce qui se passe entre toi et Hailstorm, on veut savoir. Ben, Hailstorm, j'ai une belle relation avec eux. En fait, j'ai une belle relation avec pas mal de tous les groupes. C'est plutôt rare, j'ai plutôt des amis. Mais Hailstorm, je pense que le premier show que j'ai fait avec eux, c'était au Cercle, c'était en 2013, il me semble. Le 1er décembre 2013, je me souviens comme c'était hier. Vraiment bondé de monde, puis le groupe était d'une simplicité, genre, incroyable, là. Nice. C'est là que j'ai découvert que je me suis mis en tête que ce groupe-là allait devenir énorme. Effectivement, je pense qu'après ça, je les ai faites en 2017. Je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas faites en 2013 puis 2017. Peut-être que j'ai oublié les shows. Je pense qu'ils étaient venus en première partie de Camelot à un moment donné. Après ça, 2018. Après ça, en 2019, Kim, c'était sold out longtemps d'avance. Puis on a passé proche, il me semble, de faire un deuxième show. Je ne sais pas si ça s'est passé, mais.
Mais bref, Hellstorm, c'est des. Ils boivent beaucoup d'alcool. Ils, ils font boire beaucoup d'alcool aussi. Cheers! Mais ils sont aussi sympathiques que ce qu'ils montrent des vidéoclips et des chansons. C'est ça qui est cool. Ouais. Puis, sérieux, j'aime pas assez proche de booker un show d'Hellstorm à l'anti. Parce que cette fameuse soirée-là de 2019, quand la salle était bondée à l'Impérial, tu sais, que j'arrivais pas à le booker deux soirs à l'Impérial à cause que c'était indisponible. J'ai vraiment travaillé très fort. Okay. Parce que tu sais, sur scène, oui, on a des décors, tu sais, des affaires gonflables puis tout, mais me semble, moi je me trompe, là, mais les instruments puis tout, c'est assez simple. Là. Ouais, ils n'ont pas de l'air très. Ils n'ont pas de l'air très complexe. Un keyboard, une guitare. Non, ils n'ont même pas d'ampli. Il me semble qu'ils jouent dans des. XFX Camper. On me semble. Là. Yes, pour nos auditeurs techniques. Bref, allons écouter du Hellstorm puis on va parler yes. de. Exact, ça fait que mesdames et messieurs, on va écouter Hellstorm avec Drink Live. Live en plus, mesdames et messieurs, on vous envoie ça à l'instant même. Are you geezer beer? But I'd rather live my life in rags, chained to a desk with a wife that's a hag. We live each day like there's nothing to lose, but a man has needs, and that need is booze. They say all the best things in life are free, so give all your beer, can you run to me? We are here to drink your beer, to steal your rum at the point of the gun. Your alcohol to us will fall, but we are here to drink your beer. Witches and meat, a cold great tales of the hunt master's deeds. The quest for the drop of that famous old spice, the shoulders the wrath of the Leviathan's bite. We went back through time to get some more rum, to the end of shipwreck, having no fun. But heavy men pirates we must be, so give all your beer and your rum to me. We are here to drink your beer, to steal your rum at the point of a gun. Your alcohol will fall, but we are here to drink your beer. We are here to drink your beer, to steal your rum at the point of a gun. Your alcohol to us will fall, cause we are here to drink your beer. Come on! We are here to drink. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Ça, c'était Hellstorm avec Drink Live.
Écoute, c'est de la musique de pirate pour ton métalleux moderne, man. C'est ça que c'est, là. Il faut que t'aimes Hellstorm. Je pas mal, j'ai même pas pris de bière. Hein? Moi, j'en ai pris. Écoute, je bois de la voix maltée à soir. Honnêtement, c'est... Je suis un peu à la merci de ce que mon épicerie à côté de chez nous vend, mais écoute, il me sort tout le temps des affaires plaisantes, ça fait que... Là, je voulais juste faire certain si on n'a pas perdu. OK, he's back, right on. Okay, je t'ai perdu un peu, hein? Ouais, c'est ça, ça a gelé un petit peu, mais ça devrait être correct. Ça fait que, mesdames et messieurs, on est avec Carl-Emmanuel Picard. Bonjour. Notre propriétaire, notre boss, notre copropriétaire de l'anti District 7 et tout ça. Ça fait qu'écoute, encore une fois, un plaisir que tu sois avec nous autres ce soir. Puis là, évidemment, là, on a parlé un petit peu de ton passé. Là, vers le moderne, là, tu disais tantôt, tu as fait un switch vers le virtuel. Tu es allé, rentré dans le 21e siècle. Et l'abordons un petit peu là-dessus, s'il te plaît. Je suis curieux d'entendre. En fait, bon, évidemment, là, les deux premières semaines au mois de mars ont été pénibles pour moi parce que tout s'effondrait. Mm. À un moment donné, je me suis mis à faire des genres de cartes à boire de lentilles. Oui. On en a vendu pas mal, en fait. Même, tu sais, des musiciens, des gars dans des groupes dans d'autres pays qui m'en ont acheté, puis juste à titre de support. Après ça, c'est tous les posters, là, ces murs à lentilles, tous les posters que je pose généralement, j'ai offert à des gens des acheter. Okay. Faire des contributions volontaires, puis on a réussi, j'ai réussi à en vendre beaucoup. Comme fait que ça a été une façon de m'aider. Puis après ça, j'avais fait des certificats cadeaux, là, de si tu payes 300$, puis tu as 500$ de show, je pensais que ça allait être là, mais finalement, ça va être dans longtemps. Je vais en reparler après de ma vision à long terme. Fait que là, bref, j'avais contacté un premier artiste qui s'appelle Horloge Mort. J'ai dit, hey, on peut-tu faire un show virtuel? Tu vas le faire de chez toi, ça va aider lentilles. Mettons qu'il y aurait eu 100 personnes, ça aurait été sympathique, il l'aurait fait avec son iPhone, puis tout. Puis au final, on a vendu 900 billets comme super vite. Tabarnache, OK. Là, je me suis dit, tu sais, il ne faut pas qu'il le fasse chez lui avec son iPhone. Non, c'est ça. Là, le problème que j'avais, c'est que je n'étais pas capable de me rendre au Saguenay, puis lui, il n'était pas capable de se rendre à Québec parce que les frontières étaient barrées. Les barrages. Vous êtes rendu à l'étape, finalement. Il y avait un barrage, tu sais. Fait que là, puis c'était compliqué là-bas de trouver une salle de spectacle pour le faire. Tout. Fait que là, j'ai trouvé un truc là, comme un peu sur le tech. Fait qu'on a déployé le setup là-bas. Moi, j'étais à distance. Puis pour être franc avec vous, organiser ce premier show-là, ça a été plus tough quasiment pour moi que d'organiser deux shows sur le date à l'Impérial. OK. J'avais genre 900 personnes qui m'écrivaient des questions. Tu sais, j'avais jamais fait ça vraiment de ma vie. Puis, voilà, ça a été un succès. Après ça, bon, il y a eu mon oncle Serge. Après ça, là, je voulais les faire à l'anti, puis la police ne voulait pas. Après, je voulais être sûr que ça marche, fait que j'aurais écrit, puis il me disait non, ça ne marchera pas parce que là, c'est les... X raison, hein. Bon, il a fallu que je contacte le gouvernement, le ministre de l'économie et de l'innovation. Puis là, j'ai expliqué ma situation et tout. Puis là, j'ai réussi à avoir une lettre quelconque qui dit que ça fonctionne et tout. Donc là, j'ai appelé les instances. Puis depuis ce temps-là, on est rendu à peu près 40 shows virtuels. Il va en avoir encore plus. Puis c'est le fun. Il y a des groupes de Québec qui ont joué, je pense, entre autres, genre à Atroce, à Turnham. Bon, il y a Enville et tout. Mais il y a des groupes de Québec même que généralement, il y a lenti, il y a quoi, 80 personnes pour eux. Oui, bien évidemment, il y en avait plus virtuellement, mais il y avait surtout des gens de bien des pays, tu sais. OK. Des gens, je pense, pour Atroce, il y avait des gens à Chypre. Chypre, je ne savais même pas c'était où. Là. C'est où, c'est bon, c'est ça. Je ne vais même pas te le dire c'est où exactement, mais tu sais. Après ça, j'ai vendu à un moment donné un billet pour un show de mute en Russie. Puis là, après les shows virtuels, je fais une publicité avec les shows à venir. Puis il y a des gens de la Russie qui ont décidé d'acheter des billets pour aider tout. Qui était un groupe punk rock. Fait que là, après ça, ces gens de la Russie-là, ils ont racheté. Fait que l'audience, j'ai développé une audience comme virtuelle mondiale. Vraiment cool, ça. Congrats. Ouais, c'est ça. Maintenant qu'on en revient avant ça, là, ça avait arrivé quelques fois. Que, disons, quand j'ai eu Agnostic Front, quand j'ai eu Madball, je pense quand j'ai eu Agonist, j'ai eu quelques gros shows à l'anti. J'avais un ami qui était proche de moi, que lui, avait les caméras, puis toute la connaissance pour faire ça. Puis on a fait des fois des Facebook Live avec, disons, Madball, Agnostic Front. On a dit, donnez-nous accès à votre page Facebook.
on va prendre mettre des caméras, puis on va diffuser le show de l'Anti en direct sur les médias sociaux. Puis c'était foutrement cool de voir qu'il y avait des milliers de personnes qui écoutaient le show en même temps que les gens dans la salle. Ouais, ouais, ouais. J'aurais jamais pensé que ces premières approches-là auraient fait que j'ai pu bouger rapidement à faire ça. Non, quand c'est même. Ça. Mais surtout que, tu sais, le monde qui sont bon, à mobilité réduite ou qui n'ont juste pas les moyens de se rendre à une place, c'est juste parfait. Ouais, c'est juste parfait, tu sais. Là, écoute, je fais pas juste des shows métal. J'ai fait un show que c'est Danny Placard le dernièrement, je pense, le 9 octobre, c'est un de mes derniers shows. Il y avait une famille qui écoutait le show et qui me disait « Nous, on est à 800 km de chez toi, de l'Anti. Toutes les shows virtuels que tu fais, ça nous touche. Pour nous, on ne peut pas sortir. C'est dur pour notre santé mentale. » À chaque fois que j'avais des commentaires comme ça, là, ça me touche. Je repense à Enville. Il y avait des gens dans 30 pays qui écoutaient ce show-là. Là, Enville, j'avais le poil qui me levait ses bras quand je voyais, tu sais, moi je suis de la Chine, moi je suis de l'Europe, moi je suis ici, moi il est 8h, moi je bois telle bière. Je capotais, sérieux, là. Mais dans le fond, sans t'en rendre compte, t'as peut-être sauvé des vies. Ben, peut-être. Ouais, ouais. En même temps, j'ai peut-être sauvé des groupes en même temps. Oui. Aussi, oui. En même temps, on va se dire, t'as sauvé toi-même, là, voulant dire clairement. Moi, je me suis sauvé moi, là. Oui, c'est ça, exact. C'est ça que je veux dire. Vouloir dire, faire innover de même t'a permis de continuer parce que clairement, la situation présente fait mal à toutes. Oui, parce que tu sais, c'est bien beau là, marcher le soir là, pendant une heure de temps, là, puis écouter des téléséries sur Netflix, puis lire des affaires, puis tout. Mais moi, je suis un organisateur de spectacle. Puis moi, ce que j'aime, c'est quand je fais un show métal à Impérial, c'est faire un tailgate sur la terrasse à l'Anti. Ça me manque. Moi, ce que j'aime, c'est accueillir des groupes internationaux. Je pense à The Who. The Who. Quand ils étaient venus au Dauteuil, je les ai amenés à l'Anti, au tailgate, sa terrasse. Ils ont pris des photos avec les gens. Moi, j'aime ça redonner aux gens. J'aime ça faire plaisir au monde. Puis, des fois, je suis le dernier à me faire plaisir parce que je suis trop concentré à faire plaisir au monde autour de moi. Fait que, en faisant ça, ça a fait que j'ai pas été, trouver un autre domaine. Parce que j'avais envisagé d'aller travailler sur une ferme cet été. OK. Right on. J'avais pris le poste, là. C'était la ferme à Neuville, proche de chez moi. Mais ça, j'ai pas pu me rendre là, finalement, parce qu'en si peu de temps, les shows virtuels, ça a pris une ampleur démesurée, tu sais. Puis, écoute, je reçois les groupes, je leur fais manger sur la terrasse. Ils viennent dans la chambre froide, ils servent leur bière. Maintenant, le monde appelle à l'Anti pour commander des shooters au groupe. Fait que présentement, c'est pas. Ah ouais? Ouais c'est cool! Bien, c'est souverain. Mais ça a été long avant que je fasse commander que je prenne des commandes de shooters, mais c'est Chris, ça va durer tellement longtemps là, qu'il faut que je pense à tout le temps le next level. Ben oui, tout exact. Passe. À un moment donné, il y avait un gars que lui, il était dans tous les shows virtuels, peu importe le style. Across, Enville, il venait de la Gaspésie. Lui, il consommait tout. Il commentait toutes les affaires. Là. Il disait le son, malade. Il était vraiment intense, je le voyais. J'ai décidé de le contacter, puis je l'ai invité. Il est venu, lui, à Anonymous. Il est dans le coin de bar, j'ai loué de bière, puis j'ai payé sa chambre d'hôtel. Ah, c'est bien cool, ça. J'étais content de le rencontrer. Après ça, j'ai fait ça pour Enville. Il y avait des gens de Drummondville, qui eux autres m'ont acheté tout, là, genre t-shirt, poster, cartes. Ils m'ont acheté des trucs de 300$ pour 500$, ils m'ont genre acheté 2-3. Non, ouais. Donc, ils m'ont pu supporter, fait que j'ai dit, venez voir une ville. Tu sais, ah, le ouais. Ouais. Fait que c'est là que j'en suis. Parce que, vas-y. Ouais, mais tant que je ne pourrais pas rouvrir l'Anti comme c'était avant, ça va être ça pour l'instant. OK. Ben, ça m'apporte à mon prochain point. Mettons que le vaccin sort la semaine prochaine, on est rendu à l'été 2021, tout est rouvert. Est-ce que l'aspect virtuel va être quelque chose qui va rester avec toi ou c'est plus passager ou on le sait pas encore? Mais là, j'étais rendu au mois d'octobre, j'avais Voivod au Capitole, j'avais Pépé Sector au Capitole, j'avais quelques shows dans les grandes salles. Mm-hmm. J'étais sur le point d'annoncer que ces shows-là allaient possiblement être virtuels en même temps. Mm-hmm. Et moi, ce que je veux pas, c'est que les gens payent un billet, disons 20$ pour être chez eux. Ouais. Que là, le groupe est sur scène, puis il fait juste s'adresser aux gens dans la salle. Ah, oh, ok, ouais. Je veux
je veux développer une, disons, avec un scénographe mettant en scène, je ne sais pas exactement quoi, mais je suis rendu là, en fait. Si je réussis à faire en sorte que c'est autant intéressant pour les gens dans la salle que les gens chez eux, comme par exemple, disons, Mute, je ne sais pas, Enville ou peu importe, ben, des fois, on les filmait, disons, de la loge, aller dans la chambre froide, prendre une bière, monter jusque sur les, dans, derrière le bar, aller sur scène, puis au moment où ce qui montait sur scène, là, c'était live. Fait que l'introduction était préenregistrée. Mais pensons à tout le monde qui vient voir des shows à l'anti. C'est plutôt rare que les gens viennent dans la loge à l'anti. Oui, of course. C'est plutôt rare que les gens ont vu comment c'était dans la chambre froide à l'anti. Ça, ça amène une valeur, je trouve, très intéressante. Qui pourrait en venir à ma conclusion que éventuellement peut-être qu'il peut y avoir des shows à l'anti ou dans d'autres salles puis qui seraient autant virtuels que hybrides, mais je vais le faire si je contrôle à 100% la qualité. Ouais, je comprends. Qu'il n'ait pas un plus meilleur que l'autre, que vraiment l'expérience soit partagée d'un bord puis de l'autre. Hein. Parce que c'est très difficile de vendre des billets pour des shows virtuels. Hein. C'est pas facile. Puis, ça peut être vraiment pas intéressant de regarder ça. Il y a beaucoup de monde qui préenregistre des shows. Là, ils vendent comme un show virtuel. Mais je trouve que ça manque un peu de... quand mettons, les gens commandent des shooters puis que là, je vais les porter sur scène, que l'artiste remercie. Ça manque d'authenticité puis de contact actuel. C'est pas quand ça passe là. Ouais. Puis mettons, là, les shows métal en particulier, les shows virtuels, c'est un peu comme le fameux tailgate qu'on fait avant un show, tout le monde se rassemble. Mais là, tout le monde a l'impression d'être chez eux dans leur environnement, avec un barbecue, avec... je sais pas, dans leur mood quelconque. Puis ils savent que tous les fans de métal qui écoutent ce show-là sont pareils. T'sais. Mais il faut vraiment que tu te mettes dans la tête que présentement, c'est la seule façon, le fun... De le faire. De le faire, puis de voir un show, puis d'encourager pas tant les musiciens, c'est d'encourager aussi les techniciens, c'est d'encourager... Ben, de l'industrie de A à Z. À certaines limites, on sait que les artistes sont « taken care of », mais comme tu dis, c'est ça, c'est les techniciens, c'est tes propriétaires comme toi, tu sais, c'est vraiment ceux-là qui sont capables... Tu sais, des artistes, tu vas toujours en avoir, il te faut du monde qui sont capables de faire vibrer la ville quand même que t'es dedans, là. Ouais. Tu sais, c'est... Non, c'est intéressant pareil, ça fait que... C'est de pas faire perdre la passion des gens, parce que, tu sais, les gens, là, qui sont full intense dans quoi, là... À un moment donné, là, parce que ben, moi, je pense que ça va durer 3 ans, cette affaire. Je ne veux pas être triste. Là, non, voilà, non, c'est intéressant comme input. Vas-y, continue. Fait que si, tu sais, disons, quelqu'un là, qui est vraiment amateur de collection de cartes de hockey, mais à un moment donné, il va une bulle qui va lui péter au cerveau, puis il aimera pour ça collectionner des cartes de hockey, puis il va se débarrasser de sa collection de cartes de hockey. Fait que, je ne sais pas, ça se pourrait, là, quelqu'un qui est vraiment fan de métal, que lui, là, ce qu'il aimait, c'est tout le temps aller voir des shows à l'anti ou tout le temps aller voir des shows au Foufoune électrique, puis de se retrouver avec ses chums, d'aller voir dans les locales de pratique, de parler de musique, puis tout. Puis si, mettons, pendant 2 ans de temps, il se passe rien, ça se pourrait là, que ces gens-là, ils décident de mettre ça de côté puis de se trouver une autre passion. Puis, on le voit, là, il y a quelques groupes qui ont breaké, qui tombent. Là. Parce que, tu sais, financièrement, il y a des gros bands, là, tu sais, comme aux États-Unis, il y a un truc un peu comme la PCU, je sais pas trop, là. Des groupes qui ont... Des groupes vraiment que moi, je pensais pas qu'une pandémie, ça allait les affecter à ce point-là. En sens que, tu sais, les groupes, ils ont... quand c'est un gros band, t'as les revenus de merch, t'as les revenus de droits d'auteur, t'as les revenus de bien des affaires. Puis qui ont quand même pas survécu à ça, c'est quand même, non, c'était les actes du gouvernement, puis tout, puis ils savent pas si leur band va continuer, puis Chris, c'est un band qui remplit 1000 personnes par soir. Non, c'est vraiment intéressant comme insight, parce que juste à Québec, tu vois un petit peu moins le dommage, tu le vois un petit peu moins, clairement, on a vu que tout est mort, n'importe qui aimait sortir un petit peu, là, vu qu'on pouvait plus. Les scènes, n'importe qui était musicien ou fan de spectacle, là, vu que tout est crevé. Ça fait que non, c'est quand même surprenant de voir ton inside, de voir à quel point ça pouvait faire mal, cette histoire-là. Donc, ça m'apporte à mon prochain point vis-à-vis la COVID-19. T'sais, là, toi, tu dis jusqu'à 3 ans, on parle de 2023. L'été, mettons, 2022, l'hiver 2023, que tu penses que peut-être un retour à la norme? Ben peut-être, tu sais, en fait, puis là, j'ai vu aujourd'hui, il y a des spectacles. Ben d'un, bon, ce que j'ai vu aujourd'hui, cette semaine, c'est qu'il y a des festivals qui ont commencé à faire faillite.
OK. Tu sais, quand je parlais d'une grosse tournée métal là, comme Summer Slaughter avec blablabla, mais aux États-Unis, là, il y avait des grosses tournées, des gros festivals où les plus gros bands métal, disons, commerciales. Tu sais, comme, okay. mettons, pensons au Hellfest en France. Là. Ouais. Tu sais, il y a System of a Down, il y a Slipknot, puis tout, mais il y a des cartes là, qui, tu sais, que là, il y a tout genre les plus petits bands métal très niches. Là. Ouais. Des festivals comme ça, il y en a plein aux États-Unis, puis là, il y en a beaucoup qui commencent à faire faillite. Ouais. Tournées mondiales, des trucs comme ça, finalement, c'est reporté. Ben, d'un, il y en a beaucoup qui arrêtent de reporter, là, ils annulent. Ok, carrément. Comme moi, là, 6 mois, j'essayais de tout le temps reporter, comme on pourrait parler de Boy Boy tantôt quand on va mettre la toune. Ben oui. Mais oui. Mais où j'en suis, c'est que je pense que là, 2021, on oublie ça. Mm-hmm. Ça va être des shows avec des gens assis à des tables. Masqués, des chars. Ben, regarde que, tu sais, on a eu le cabaret en tête avec Didier Sanson de Rope Dancer Production. Puis, malgré qu'on a bon, l'envie de nous rentrer dedans, c'est pas ce qui manquait, mais le monde a apprécié quand même juste le fait d'entendre de la distorsion et de se crincer les oreilles. Ouais. C'est la plus belle thérapie. Il va en avoir, là, tu sais, comme des Voivod, tu sais, comme j'étais supposé faire Cataclysme prochainement, leur lancement d'album, j'ai discuté avec eux pour le faire au Capitole en version assis, puis on aurait fait une version virtuelle. Ça, c'est d'ailleurs, je ne suis pas supposé en parler, là, mais j'ai envisagé ce plan-là. Mais il fallait les faire venir, parce que c'est des gens de Montréal, mais il y en a plusieurs qui habitent aux États-Unis maintenant, tu sais, qui sont derrière des gros succès, des grosses compagnies métal, là, dans Cataclysme. Puis là, c'était compliqué, la quarantaine, nanana. Ouais. Fait que finalement, ça n'a pas eu lieu. Mm. Fait que je pense que 2021, peut-être 2022, ça va être... Mais c'est sûr que l'anti, avant qu'il y ait 200 personnes une par-dessus l'autre, je sais plus, tu sais, je sais pas. Ouais, c'est ça, on ne sait juste pas, hein. C'est... Mais c'est le fun, je fais pas des shows juste à l'anti, j'en fais partout des shows. J'en fais à la Source de la Martinière, j'en fais au Douteuil. Oh, OK. Pour ceux qui le savent pas, on le savait pas, ça. Mais ou d'autres que tu fais des shows, je suis curieux, moi. Ben, c'est ça, moi, je fais des shows partout. Donc, l'anti, c'est ma salle, c'est là que j'aime ça faire mes spectacles. Mais moi, je me suis dit, l'anti, mon objectif, si je suis capable de réouvrir la salle quand on va pouvoir être comme avant. OK, pas je comprends. De, genre de prendre une prise de température ou d'avoir... Non, c'est ça. Mais je suis super partant pour faire des shows partout où ce que la salle est plus grande qu'ici. Parce qu'ici, je l'ai fait. Je peux mettre 10 chaises. Ouais. Moi, ça ne me tente pas de jouer à police. T'sais, quand je veux faire un show de mon oncle Serge au Palais Montcalm ou Voivod... Ouais, c'est ça. C'est pas moi qui joue à police, c'est... Non, la dernière chose que tu veux, c'est ça, c'est être dormant dans ta propre place. Là. Oui, non, puis les clients à l'anti que... Moi, je t'ai mis pas mal avec tout le monde. Puis quand t'es ami avec plein du monde, des fois, il y en a qui pensent pas nécessairement comme toi. Mm-hmm. Puis moi, je pense que la musique, quand t'écoutes de la musique, t'es fan de musique, tu peux être avec des gens qui pensent pas nécessairement comme toi puis avoir du plaisir quand même. Mm-hmm. Puis avant la pandémie, c'est le même que je pensais, tu sais. Fait que moi, je veux pas commencer à dire, hey, toi, tu veux pas mettre ton masque, ben toi, rentre pas, hein, toi, fais pas ci. Faire l'avocat du diable, là, un peu. Moi, je commencerai pas à, tu sais, commencer à désinfecter les bouteilles de bière, puis tout, là, ça va aller. Ça va s'en sortir municipal dans ton bar. Cheers, man. Dire à des bandes qui peuvent pas vendre la merch à cause que ça, c'est, y a des risques. Non, ça marche juste pas, man. Fait que... Ben écoute, on va aller à une autre chanson. Je voulais passer vite fait vers Mathieu. Est-ce qu'on avait une petite question pour notre chum incarné Manuel? Le monde sont plus regardeux, je pense. Ouais, je pense que le monde écoute à soir. Le monde écoute beaucoup. Puis, mais tu sais, il y a du monde comme Marie-Ève Vachon qui dit que le show de Hellstorm était numéro 1 au cercle. Elle est bien trippée. Mais moi, je me souviens de ce show-là. J'ai vu une vidéo de Captain Morgan Revenge pendant le Wall of Death. Je suis en plein milieu, je m'en souviens même pas. Manger un coup à la tête, mon gars. J'ai mangé une coupe, mais non, ben, c'est vrai, c'est calvaire. Ça paraît. Ouais, c'est ça. Bon, ben, quand on y va là-dessus, c'était quoi la chanson que tu voulais nous passer? Bon, ben écoute, on a parlé d'un peu behind the scenes. Je pense que ça tombe super bien. On va l'écouter Motorhead live. No Sleep Till Hammersmith. Mais c'est We Are The Road Crew. Ladies and gentlemen, je vous envoie ça tout de suite. We'll be right back.
Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. GMPQ Média, vous êtes avec Mathieu Pellerin, Kevin Delpoil, puis Carl-Emmanuel Picard de l'entier District 7. Ça fait qu'on vient d'écouter Motorhead, No Sleep Till Hammersmith. Tu vois, Carl est très sérieux, il prend une bouteille d'eau, puis il met tout ça. Ouais, moi, j'ai arrêté de boire de la bière à cause de l'anti parce que il fallait que je fasse un choix. Hein. Quand j'ai acheté l'anti, je buvais à chaque soir. Tu sais, okay. Chez moi, je mets du vin, puis quand je mets du vin, ça m'aidait à bouquer des choses. J'étais motivé. C'est bon, ça. Deux enfants aussi, hein, tu sais, puis une blonde, tout. Fait que là, il fallait que je prenne un choix. C'est ça que je trouve admirable de ta part. C'est, vous êtes une vie familiale, mais. On dirait que t'es tellement là-dedans, mais qu'on dirait que t'as pas ce côté-là. Mettons, t'as deux enfants, je pense, une femme, ouais. T'as ta maison, tout ça. Mais ouais. Tu t'en occupes autant bien aussi de ta famille, de ce ouais. Que je vois, là, je veux dire. Je pense que c'est un gros exemple à suivre côté détermination. Imaginez, il y a 36 sortes de bières à l'anti, puis à chaque fois, je veux les bières de groupe, puis tout. Imaginez si j'ai fallu que je tombe là-dedans. Ah non, oublie ça. Et si j'étais à ta place, je serais déjà mort, je pense. Ouais. Ça fait quel point c'est il y a bon, ouais, c'est clair. Et ça fait que là... On a parlé un petit peu du passé, un petit peu du futur. Ça fait que là, en ce moment, où est-ce qu'on en est là? Là, là tu me disais, oh, on est en orange, je veux pas dévoiler le secret, mais ce qui s'en vient dans la prochaine saison, il y a beaucoup d'activités qui vont se faire dans ton établissement. Bien évidemment, au mois de novembre, décembre, il y a quasiment des 3-4 shows par semaine. Puis, là, je fais un gros projet là, justement avec des groupes locaux de Québec. J'espère, tu sais, évidemment, là, les shows virtuels, il y a quand même des frais hein, rattachés à ça. Mm-hmm. Tu sais, il faut aller chercher des commandites, des partenaires financiers et tout. Puis quand tu fais un... Moi, quand j'offre la chance que je travaille avec des groupes locaux de Québec pour faire un show virtuel à l'anti, je ne veux pas leur dire, allez, vous devez vendre 200 billets à 10$ pour qu'on paye toute la prod. Mmh. Moi, je préfère sinon, dire, paye de vos poches, puis... vous êtes payé genre 1000$, tant par musicien, puis moi, je m'occupe du reste. Puis même s'il y a 10 billets, qu'il y en a 50, 60, ça, on s'arrange avec ça quand même. Parce que. Ça fait que là-dedans, avec. Les ventes, je présume qu'il y a une certaine aide gouvernementale là-dedans. Ça commence, en fait. Il y en a eu un peu. Il y a eu les aides de la Ville de Québec, justement, les shows de Eternam, Atroce et tout. Ça a été soutenu par la mesure première ovation de la Ville de Québec. Mm-hmm. Et ça, c'est une mesure qui est là pour soutenir les artistes émergents en bas de 35 ans. Puis le projet est vraiment important parce que pour des groupes de Québec, présentement, qui ne peuvent pas faire de spectacle. Quand ils viennent faire à l'anti un show virtuel, ben là, ils peuvent jouer devant leurs fans de la Ville de Québec, mais ils peuvent jouer devant leurs fans de partout dans le monde. Ouais, regarde ça. Ouais. Tu sais, Necro Tick Garbies, entre autres, là, ils ont vendu des billets dans plein de pays capotés, là, genre, puis... Fait que c'est ça, tu sais, écoute, le gouvernement, la ville, peu importe, il y a toutes sortes de projets culturels. Ben moi, je suis chanceux à l'anti, je suis capable de tirer un peu la couverture de notre bord pour que ça revienne dans les groupes un peu plus en marge, dans le fond, parce qu'on ne se le cachera pas. Là, quand le gouvernement commandite un album de musique quelconque, c'est plutôt rare qu'on voit que c'est un groupe metal de Québec ou du Québec. Ou un groupe émergent, vraiment émergent, ouais. Non, c'est ça. Non? C'est correct. Moi, la pandémie fait que je veux développer ma structure, dans le fond, pour aider le plus de monde possible. Mm-hmm. Je n'étais pas un fan des subventions et de toutes ces affaires-là, mais là... C'est ça qui est ça. Les besoins sont là. Puis il y a des gens qui peuvent pas faire de show. Fait que, tu sais, moi, c'est pas moi qui ai décidé qu'on ferme l'anti. Là, on me l'a imposé d'une certaine façon. Là. Ben oui, c'est sûr. Là, on s'entend même 2019, quand tout ça a commencé, il y avait rien qui disait que la chose était en pente descendante. Au contraire, tant qu'à moi, toute l'industrie est en flèche montante depuis les derniers 20 ans. Là. Ça, c'est ça me surprend. Tu sais, je ne sais pas si c'est là que tu vas venir, mais quand il y a eu, disons, les cas là, en Chine de coronavirus, ces affaires-là, sur les bateaux, puis tout, on le voyait venir, tout le monde le voyait, genre, mais personne ne faisait rien. Il n'y a personne qui nous a dit il va avoir ça. Tu sais. Il n'y a jamais personne qui se rend compte de n'importe quelle situation tant que ça ne leur arrive pas. Mais là, tu sais, il y a des affaires qu'on prévoit, là, genre, il va y avoir une tempête de neige la semaine prochaine, il y a un ouragan aux États-Unis, on va sortir. Puis non, il y a une fucking
pandémie mondiale. C'est si t'es un junkie de nouvelles comme moi, ça fait quasiment 10 ans qu'il en parle, mais c'était tout le temps, you know, on a eu le MERS, on a eu le SRAS, c'était tout le temps, c'était dans un coin reculé à quelque part, qu'on... quelques dizaines de milliers de cas, whatever what. Là, finalement, quand ça a frappé, écoute, je pense que ça a pris tout le monde. Quand ça frappe l'Amérique du Nord, ça frappe le monde entier. Le 12 mars, quand j'ai fait mon dernier show ici, je pense que j'aurais offert, tu sais, bar ouvert à tout le monde dans le bar, tu sais. Prends du là, tu t'as qu'à faire le dernier show de l'année. Oui, c'est les choses qui arrivent, et moi, je suis quand même très positif là-dedans. Tu prends quelque chose à l'ouverture. Maintenant, quand les groupes viennent faire un show virtuel à l'Anti, les groupes, ils n'arrivent plus à 5 heures, là, ils arrivent à 2 heures l'après-midi parce qu'il faut comme prendre le temps de s'installer sur la scène, il faut prendre le temps de mettre les caméras. Mm-hmm. Moi, j'ai dit, on va faire un teaser sur Facebook, ça veut dire que vers 5h30, ils vont sur la scène, ils disent où ils sont, on met ça sur tous nos médias sociaux, puis là, ils font une toune, puis là, généralement, ça propulse la vente des billets. Puis ça, souvent, on fait un barbecue sur la terrasse. Je vais chercher des repas dans des restaurants du coin. Il y a eu beaucoup de shows virtuels qui ont été soutenus par des différentes microbrasseries du Québec. Wow, ouais. Les groupes boivent tout le temps là-bas. Tu les appelles comme des rois, quand même. Oui, je les reçois comme des rois. J'ai tout le temps eu la. J'ai tout le temps voulu recevoir les groupes vraiment très bien à l'Anti, mais là, c'est un accueil différent, encore plus, disons. De roi, peu importe. En tout cas, je sais pas comment le dire. Super host. Oui, parce que, tu sais, je suis tellement content. Il y en a peu des shows. Il y a peu de monde qui ont la chance de faire ce qu'on fait. Ça me fait du bien. Ça... Je pense que les gens qui achètent des billets pour les shows virtuels ont commencé à le comprendre. Qu'est-ce qui se passait ici quand il y avait un show virtuel. Là, Ouais, de voir à quel point, pas forcément que ça faisait mal, mais à quel point que c'était l'industrie a été affectée par ça. Oui. Ouais. D'un bord à l'autre. Mais ils savent que quand les groupes sont ici, mettons Anvil, là, ils n'étaient pas trop sûrs de faire le show virtuel, puis tout, mais quand ils ont fini leur show, là, ils capotaient, là, ils étaient en symbiose. Quand on sort un DVD, quand nanana. Ah ouais, pour vrai, nice. Mais tu dis qu'ils n'étaient pas trop sûrs, pourquoi? D'après moi, c'est parce que c'était une nouveauté, parce que même moi, je me disais bien sincèrement, d'un début, un show virtuel, non, oublie ça, c'était fuck-all. Puis justement, à force que tu as innové ça, j'ai fait. Chris, ça a l'air, c'est un monde inconnu qu'il faut s'habituer, puis je trouve que c'est une belle habitude, je trouve. Tu sais, Anvil, eux autres faisaient la tournée du monde entier dans des petites salles comme l'Anti ou des festivals depuis, depuis toujours. Fait que là, ils reçoivent un appel de moi, ils me connaissent, évidemment. Tu sais, j'aurais écrit sur Facebook, ils savent qui, parce que c'est rendu un peu mes amis par la fin. T'es là à tous les années, là. Je le sais, je suis là à tous les années. fait que là, je leur disais, je paye, genre, je sais pas, tu sais, c'était quand même, j'avais fait une offre de tu sais, c'était pas une offre de cheap, là, c'était une offre, tu sais, assez intéressante pour qu'ils partent de Toronto, puis tout, avec chambre d'hôtel, etc., là, ils arrivaient la veille. Quand même. Il a fait une entrevue libre avec le journal. Il dit j'ai pas trop d'attente, le show virtuel, pis tout. Mais un coup qu'il a fait le show, dans le bar, il se passait de quoi, là, les éclairages, il bougeait sur scène comme s'il y avait 2000 personnes. Je sais pas, j'ai de la misère à le dire. Là, faudrait je pense que dans le fond, il a quand même été capable d'aller taper dans la veine. Qui justement, il donne le pouvoir là, de comme tu dis, quand il y a 2000 personnes devant lui. Puis tout le temps, c'est cool, ça fait quand même. Leur téléphone, il n'arrêtait pas, là, comme les gens de leur contact, peu importe partout dans le monde, qui leur disaient que c'était malade. vraiment. Ouais, regarde, cool. Ces commentaires-là, tu les prends pour toi, parce que quand même, c'est ta production. Là. Fait que. C'est ça qui est ça. Hein. C'est la vie, c'est le destin qui est ainsi. Non, vraiment, écoute, on est un peu, comme je disais tantôt, un peu à la merci de ce qui se passe, mais ceux qui survivent s'adaptent, right? Ça fait que... Non, c'est encourageant de voir quelqu'un qui a eu les racines que tu as eues, le cheminement que tu as eu pour en venir là, puis encore avoir, pas juste une foi, mais une flamme qui dit « je suis capable de prendre les problèmes puis les changer », c'est... Et je pense que la ville de Québec est choyée d'avoir quelqu'un comme toi là, qui organise et participe dans la scène comme tu le fais. C'est vraiment cool. Quand même, oui.
C'est quand même fascinant parce que là, le monde commence à faire des shows virtuels. Hein, de plus en plus. Mais encore maintenant, les groupes de Montréal, souvent, ils viennent comme Cataclysme, comme j'avais la discussion, pour qu'ils viennent à Québec faire un show comme un peu virtuel. Puis tout, c'est quand même fascinant qu'ils pensent à Québec. Ben oui, c'est ça. Ça nous met sur la map. Là, c'est vraiment le fun. Puis ça fait que quand ça va finir, ben, l'Anti va avoir gardé la même place qu'il y avait quand ça a commencé. Oui. Sûrement encore mieux, en fait. Non, c'est ça. Vraiment. Il y a monsieur François Allaire qui te fait dire merci beaucoup, Carl, pour ce que tu fais pour la scène. Merci, François. Merci, François. Mais moi, j'ai une question. Y a-tu une chose que tu t'attendais à ce que ça allait être un fiasco, finalement? Ça a été comme la réussite totale? Ben, il y en a sûrement plein, en fait. Moi, qui t'a marqué, en particulier. Tantôt, on parlait de Nightwish en... Je me souviens plus de l'année que c'était Nightwish, mais ça fait quand même longtemps. Hein? Je m'en souviens, Rebel Gastro, c'était dans. Fait que tu sais, j'ai commencé à faire des shows en 2004, fait que là en 2015, c'est que j'étais encore jeune quand même pour organiser un show de Nightwish. Nightwish, tu sais, c'était. Le billet était genre près de 100$, ça se peut-tu? 90$ le billet. Non, 90$. Faites le calcul, 1300 billets fois 90$, on va le faire ensemble. Oh my God! Mais je me souviens que tu étais venu me voir et tu t'as dit, ouais, ben tu sais, moi je savais c'était qui la première partie avant même que le monde le sache. Tu as fait penser que c'est une bonne idée, je regarde juste ça, tu vas tout vous remplir. Puis non, pour vrai, ça a été une méchante. Il me semble qu'il y avait aussi 115 billets, je sais pas trop, là, mes meet and greet VIP, là, genre plusieurs centaines de dollars. Là, ça a été vendu sans pas des longs. Oh, oui, ouais. Bref, c'est une affaire comme de 100 quelques mille piastres, tu sais. Je veux dire, imagine, tu sais, parce que Nightwish, quand ils sont venus jouer au centre de foire, je sais pas trop, là, au papier. Ouais. Il n'y avait pas eu tant de monde, je pense que ça avait. C'était la nouvelle chanteuse, ouais, puis le centre de foire. Et bref, si ça marchait pas, je perdais comme beaucoup. Là. Je perdais de l'argent que j'avais pas, en fait. J'étais bien emprunté, mais finalement, ça a été un succès, tu sais, fait que ça, j'étais quand même content. Puis honnêtement, j'ai été là finalement, parce que ça a bien tombé, mais c'était dans le même temps que j'avais mon premier enfant. Fait que. Ça fait que ça fait quand même. Ça fait 8 ans, genre. C'était pas 2015, je pense. Non, pas non même. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quand j'ai eu mon premier enfant, peut-être mon deuxième enfant. Deuxième enfant, bref. Fait que là, j'avais été là, puis c'est ça aussi. Ce qui est intense présentement, c'est que je fais tellement de shows que des fois, je peux même pas être là parce que je fais 3-4 shows la même journée. OK. Ben, c'est pas quand même. D'autant impérial, anti. Ouais, des fois, j'ai des shows à l'Impérial, à l'Anti, au Dauteuil, à Saint-Martin. Ça a déjà arrivé que j'avais des shows dans toutes ces salles-là en même temps. Puis je pense que des fois aussi, j'ai des shows, puis que, mettons, j'étais à l'extérieur de la ville, parce que j'essaie de développer en parallèle d'autres projets, comme, tu sais, je travaille pour le Cirque du Soleil, j'étais à Ottawa. Okay. Tu me parlais d'un show, c'était à l'Anti, c'était cette soirée-là, puis ce show-là, il avait vendu les 200 billets. Je l'ai déplacé au Cercle, puis on a vendu 400 billets. Au OK, quand même. Chose, Mathieu, t'es-tu toujours sur la page J'aime plus que mesure? Tu veux dire? T'es-tu toujours sur la page J'aime plus que mesure? Pour voir les commentaires? Oui, je suis. Ouais, c'est ça. On a-tu des questions? On a-tu quelqu'un qui pose des questions? On a-tu du monde qui interagit avec nous autres, man? Yes, j'ai François Allaire qui dit quand les douanes américaines vont ouvrir, est-ce que tu crois pouvoir avoir des bennes pour des shows online? mais en même temps, je ne vous cacherai pas que j'étais en discussion. Éventuellement, je pourrais faire des shows virtuels, mais aux États-Unis ou à Paris. OK. Dans le fond. En collaboration avec des salles ou. Oui, des gens là-bas. Puis tout comme là, j'ai un projet peut-être à Paris, en France, de dans le fond, d'essayer de faire des shows avec des groupes français, internationaux, mais pour la clientèle du Québec ou de l'Amérique du Nord, dans le fond. Parce que okay. Là, je me dis que ça va prendre très longtemps avant que ces groupes-là viennent. Mm-hmm. Là, si je suis capable d'y aller, peut-être pas moi personnellement, mais quelqu'un de mon équipe, puis de s'associer avec des gens là-bas, puis disons, disons le show, c'est 6 heures de différence. Et si, disons, on pourrait rêver, mettons, on prend Gojira, genre. Gojira, les autres sont en France, c'est ça, ils sont en France, hein? Oui, je pense que c'est le chanteur qui est à New York. Donc, mettons, là, un band comme ça, là, ben, là à Paris. Donc, on loue un théâtre, on fait le show, puis on s'arrange pour que ça soit, disons, à 8-9 heures l'heure du Québec. OK. Là, je me complique vraiment la vie en faisant ça, mais je suis quand même
tout le temps dans mon idée que c'est des shows virtuels, live, en direct, qui sont plus winners que des shows préenregistrés. Yeah. Ultra riches, ultra, genre, qui ont tout ce qu'ils veulent pour faire un show virtuel, live, en direct. Mais non, les autres, ils décident de le préenregistrer. De le passer, puis je suis même pas sûr qu'il l'écoute quand ça passe. Mais tu sais, au pire, tant qu'à faire, tu fais un show à Paris un samedi soir à 8h du soir, puis à 2h de l'après-midi, nous, on peut voir ça. On est, tout le monde est réveillé, puis tu sais. Fait que, ben, finalement, quand les douanes vont réouvrir, écoute, si je préférerais des groupes avec des permis de travail pour que, disons, ils arrivent à l'hôtel, après c'est bien rentré, ils font le show, ils s'en vont. C'est un peu ce qu'Anneville avait fait, ils sont partis de Toronto. Ok, ouais, c'est ça. C'est, l'itinéraire était strict, en guillemets. Ouais. En même temps, là, le monde, on peut aller aux États-Unis en vrai par avion. Fait que je pense que les gens des États-Unis peuvent venir au Québec par avion. C'est juste les douanes. C'est business, ouais. C'est d'affaires, je pense que oui. En tout cas, il y a des zones grises d'un bord puis de l'autre. Là. L'affaire aussi, c'est le 14 jours de quarantaine. Là, ouais. Parce que les gens des États-Unis, s'ils viennent au Québec, il faut qu'ils fassent 14 jours de quarantaine. Mais si, disons, moi, je vais aux États-Unis, je ne suis pas obligé de faire 14 jours de quarantaine. C'est quand j'en reviens que je dois faire 14. Hey, ça commence à être compliqué. Ouais, c'est tout, sûr. Tu peux te promener tous nos états quand même, nos nains. En R15 derrière. J'ai fait, j'en ai pas parlé, j'ai fait une tournée avec Despise Icon. J'ai traversé toutes les États-Unis. Okay? J'étais leur tour manager. Ça, c'était, j'ai un tatou en 2012. Okay? Ah, montre-moi ça dans l'écran. Là, faut qu'on voit ça un peu. Non, c'était pas en 2012. C'était pas pendant leur tournée d'adieu, ça? C'était en 2010, c'était leur tournée d'adieu. En 2010, parce que mon ami, à ce moment-là, il s'est fait frapper aux États-Unis puis il est décédé, mais c'était pas pendant cette tournée-là. Ah, non. C'est là que je me souviens de cette année-là. Puis, okay, j'ai fait tous les États, puis dans tous les États, c'était différent, les lois, les règlements, puis tout. Puis, honnêtement, là, ce que je peux dire, c'est que les groupes sont vraiment chanceux d'avoir l'Anti, d'avoir l'Impérial, d'avoir la Source d'Amartinière, d'avoir le Douteuil. Parce que, astic, c'était de la merde, les salles aux États-Unis, l'accueil, genre. Tu sais, t'étais Despise Icon, t'étais un gros groupe. On avait de la misère à avoir. Des cultes, là. L'alcool ou des un minimum de confort quand t'arrives, un minimum de. Ça, tu sais, comme quand moi, mettons, j'ai fait venir Enslave ici, là, Enslave, ils ont joué à l'Anti, là. C'est quand même un gros groupe métal, ça. T'es pas allé voir le hockey, quelque chose? Ouais, j'aurais trouvé des billets de hockey, je pense, les Canadiens au centre d'Autron. Nice. Une belle chambre d'hôtel, mon père était traiteur pour eux. Tu sais, plus que le groupe est gros, quand il vient à l'Anti, disons que c'est pas logique qu'ils jouent à l'Anti, mais ils font pareil. Et plus que j'essaie que leur expérience soit next level. Mais moi, j'en ai aussi une autre question. À part Motherhead, tu étais sûrement très décevant pour être capable de boucler. Y a-t-il une chose que tu étais supposé d'avoir un gros band puis que finalement, il n'y a pas eu lieu? Ben, écoute, Voivode, entre autres, Voivode, ouais. C'est pas tant, c'est un gros groupe pour moi. C'est quand tu penses à ça, là, les Foo Fighters, tous les gros groupes du monde se réfèrent à Voivode. Ils étaient supposés jouer le 22 mars, ça n'a pas eu lieu à cause de la pandémie. Après ça, j'ai reporté le 15 mars, ça n'a pas eu lieu encore. Là, je reporte au Capitole le 16-17, pas eu lieu encore. Fait que là, je ne m'abandonnerai pas là. Je vais le faire encore. M'en dire, il ne faut pas. En tout cas, dire, je parlais de l'organisation là, d'Exploited au Medley à Montréal, mais on est à Montréal, c'est une autre histoire, c'est notre temps. Mais, il n'y a pas écoute, un vidéoclip là-dessus. Ouais! Ok. M'en dire, Mathieu, je pense qu'il y a de l'interaction. Là, je vois ta face, puis ça me dit que oui. Là. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, ok, bon, mais let's go, on va parler avec notre hôte. Là. On crée ça, oui. Mick Bouchard qui demande, c'est quoi la demande la plus weird que tu as eue d'un Ben? T'es pas obligé de nommer le Ben. Je sais pas. Honnêtement, souvent les groupes ont des riders, là, comme les bébés d'hospitalité avec une longue liste de stocks. Ouais. On a un budget. Pis tout, pis quand ça fait 15 ans que tu fais des shows, disons, puis que souvent, tu sais, il n'y a pas trop de préparation parce qu'ils savent comment ils vont être reçus. Puis là, ils arrivent, on a l'argent, on va faire les commissions. Puis ils prennent vraiment ce qu'ils ont besoin. Mais sérieux, des fois, il y a des groupes qui veulent vraiment avoir tout ce qui est sur la liste. Là, genre, tout. Là. Un bol de M&M rouge seulement. Mort, là. Puis souvent, quand le show est terminé, ils partent, ben tout est encore là, genre. Ah, oh, ouais. Puis là, je pars avec chez nous. C'est correct, ils ont payé pour, mais... Je pense que c'est un peu next level. Ah oh ouais, c'est intense ça. Mais j'ai aussi Joao Bold qui dit
Pourquoi le show Dark Tranquility a été annulé en septembre 2021, sûrement par l'incertitude de ce qu'il y a en ce moment? Ça, écoutez, il fallait fouiller un peu. Je pense pas pouvoir entrer là-dedans, mais c'est un agent qui représentait ces groupes-là. Puis, OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais tu sais, j'ai déjà des options pour faire cette même tournée-là. Mais en même temps, tu sais, c'est peut-être plus sage que ça soit annulé. Puis qu'on attend un peu avant de le reconfirmer parce que ça se dessine mal les shows en 2021. Mmh. Ouais. Puis, c'était peut-être trop précoce d'annoncer ce show-là dans tous les cas parce que on sait pas ce qui va arriver. Non, c'est ça, on est dans le néant total. Les gens vont venir, là. Les gens, je sais qu'ils vont être là, là. Quand on va annoncer des shows, ça va être débile. Là. Ça va être plus débile qu'avant. Là. Build it and they will come. Mathieu, if it's d'autres. D'autres questions? Ouais, celle-là, c'est ouais. Plus moi, en fait, qui te le demande. C'est que. Y a-tu un moment dans ta carrière ou plusieurs, mais tu sais, le moment que tu as fait comme OK, waouh, j'aime ma job, je suis en train de vivre un moment spectaculaire. Là. Soit ici, plein, ou de rencontrer quelqu'un ou. Ben écoutez, moi, c'est des petites affaires qui me font vraiment plaisir. Là, quand j'ai fait venir Agnostic Front, tu sais, que j'ai réussi à faire 3 soirs à l'anti avec eux. J'étais vraiment content de les recevoir ici, de leur faire un gâteau, de les amener au restaurant, de leur trouver une belle hôtel. Après ça, quand j'ai réussi à faire DRI, le groupe DRI. DRI, oui. À l'Impérial. C'était sold out, ça fait longtemps que je voulais les faire. Quand j'ai vu tout le monde réuni à l'anti, au fameux tailgate qu'on faisait, où la fille au bar était dans le jus bien raide. Que là, je montais sur une clôture pour prendre des photos de ce qui se passait. Tu sais, nice. Il y avait quelqu'un qui était là avec un vieux billet du même show, mais là, des années auparavant. Mais tu sais, j'étais quand même fier. Évidemment, tout ça me rend très heureux. Là, ben oui, absolument. On avait-tu d'autres? Ouais, vas-y, Kev. Ben, c'est juste que dans le fond, c'est ça. Tu prends très parfaitement les petits trucs qui peuvent rendre heureux. C'est numéro un. T'sais. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, c'est malade. Je veux dire, je comprends. Tu sais, souvent, je pense à toi. Je pense à toi. Je me dis, tu sais, à quel point tu peux être calme. Tu sais, je veux dire, tu es un gars quand même très discret. Quand on doit là, aller, là. Tu as tes affaires, puis c'est ça. Mais tu sais, ça t'a-tu déjà arrivé, je sais pas, moi, un petit moment de folie avec un band ou whatever. Tu dis à soi, moi, ça me tente de fêter avec vous autres. Ben oui, là, ça fait 15 ans que je fais des shows, hein, fait que, tu sais, j'ai déjà été mal commode, puis... C'est bon, ça. Fait que oui, tu sais, j'ai eu, tu sais, Despair Cyclone, là, qu'on a fait la tournée, c'était quand même légendaire, là, tu sais. des moments inoubliables ou oubliables, ou comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, je me souviens, évidemment, il y a des choses que j'ai perdu beaucoup d'argent. Là. Ça, c'est à oublier. Il y en a. Mais c'est un peu. C'est, j'ai tout le temps respecté mes ententes avec les groupes. Je pense que j'ai tout le temps été honnête puis respectueux. Puis tout. Je pense que c'est pour ça que je suis là encore aujourd'hui. Puis, je me souviens, j'étais très jeune. Là, je pense que j'avais fait le show Kitty à l'antique. Kitty. Ben oui, ça, c'était un groupe canadien de filles, là, heavy new metal. Oui, ça avait été booké justement par l'agent qui fait le Summer Slaughter là, avec un nécrophagiste. Tu sais, OK. C'est un des plus gros agents qui allait devenir, qui allait en devenir un. Ben, il y avait beaucoup d'espoir pour lui. Mm. Là, ben, évidemment, il a fallu que je paye Kitty, même si Chris, il y avait 50 personnes dans la salle. Ah, no way! C'est quand tu as cet âge-là, tu perds 5-6 000 $, c'est un peu intense, là. Yeah, no kidding. Non, c'est vraiment cool. Tant qu'à moi, il est modèle pour ceux-là qui sont dans la ville. C'est Sean dans l'Impérial, là, le premier show que j'ai fait il y a très longtemps aussi. Je m'étais planté. Puis, OK. Mais maintenant, je me plante. Puis je suis comme, tu sais, c'est la vie. J'ai tout fait ce qu'il fallait. J'ai mis des posters partout. J'ai passé des flyers. J'ai impliqué le plus de monde que je pouvais pour que le show soit un succès. C'est ça que je me dis, en fait. Si je me plante, puis que j'ai tout fait ce qu'il fallait pour pas que je me plante, ben là, après ça, c'est la vie, tu sais. Ben regarde, moi, quand je te dis, on t'offre notre aide, n'importe quand, je veux dire, on est là pour ça. Puis, ouais, ça fait quoi, 1,5-2 ans, là, je pense qu'on fait, que je t'aide vraiment à faire la pub pour les shows métal, puis c'est toujours un plaisir, puis ça va être encore de même des années, si tu le souhaites, bien sûr.
J'ai peut-être une anecdote à dire, là, parce que je pense que ça finit bientôt. Hein? Oui, il aurait ça exact. Ça fait que, Gâteau, on n'est pas limité ici comme à TV, mais non, vas-y, Gâteau. Donc, quand je parlais de mon père qui est traiteur pour les shows à Québec depuis 30 ans, mais moi, tu sais, à une certaine époque, mon père, disons, il m'a amené au Lollapalooza. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'était un des gros festivals de métal. Je ferme mes yeux, là, puis tu sais, je me souviens, il y avait The Ramones, il y avait Metallica, il y avait Soundgarden. J'étais à ses épaules de mon père, là, j'étais très jeune. Là. No way. C'était un monsieur qui organisait tous ces shows-là à l'époque, hein, qui s'appelait Michel Brazeau. Okay. Michel Brazeau, là, il est décédé depuis pas très longtemps, quelques années. Puis pour moi, c'était mon mentor, puis je l'ai aidé jusqu'à la dernière minute que je pouvais l'aider, puis j'allais chez lui, puis je m'intéressais à lui. Tu sais, il me dit à un moment donné, Carl, tu sais, c'est moi qui ai booké le premier show d'Iron Maiden, tu sais, dans un aréna en Amérique du Nord. Puis à l'époque, quand on bookait Iron Maiden, c'était par fax. OK. Ça en dit long. Il disait, tu sais, Carl, maintenant, les gros shows comme ça, c'est des avocats, c'est des comptables, l'argent de la billetterie est placé en action, des trucs comme ça. Puis c'est rendu une grosse business incroyable. Puis là, ça vient de planter à cause du coronavirus. Puis c'est des gros bateaux qui sont très durs à bouger. Moi, je suis content d'être quand même tout seul dans mes affaires avec mon petit monde autour de moi qui m'aide, avec mon partenaire de l'anti. Parce que là, je suis capable de faire ce que je veux. Puis, tu sais, je suis en train de changer les affaires, je pense. Puis que je suis en train de, disons, dans 20-30 ans, quand on va penser à la pandémie, qu'on va voir dans la ville de Québec, qu'est-ce qui s'est passé au niveau culturel, ben mon nom va être pas mal partout, là. Va être partout. Fait que je me suis dit, fucking right. Je fais ma place, puis je suis fier de ça, puis c'est ça. Tu vas avoir été sans doute l'homme de la situation côté événements culturels de la ville, même de la région ou la province de Québec, même. Puis, tu sais, l'Anti va survivre à la pandémie, ça, je vous le garantis. District 7 va survivre à la pandémie, je vous le garantis. Mais c'est vraiment un gros désastre pour la culture et tout. Mais là, ça va être la plus grosse tempête que je vais avoir dans ma vie. Puis après ça, n'importe quelle tempête qu'il pourrait avoir, c'est comme mon rêve, c'était de booker les shows Colisée avant que j'allais à l'Atlantique. Quand il y a eu le centre d'autres, ben je me suis dit, mon rêve s'éloigne, puis tout. Mais là, je pense que dans n'importe quel contexte, je pourrais contrôler n'importe quel festival, n'importe quelle affaire, je pourrais être impliqué avec n'importe qui. Je pense que je suis prêt là, après avoir passé à travers ça. Peut-être l'ambition est là. Et voilà, puis. Non, puis clairement, écoute, comme tu dis, c'est encourageant de savoir que l'Anti va survivre à ça. Peu importe ce qui se passe, clairement, dans la province, il y a du monde qui se sont soulevés, surtout au niveau des villes. Tu n'es un. On va être les premiers, nous autres, à vous encourager. Écoute, ça a été vraiment une conversation à soir constructive et informative. Oui. Non, c'était vraiment, écoute, on a appris à soir, puis ça donne une chance de voir vraiment la mécanique derrière, comme tu disais tantôt, l'art et la culture au Québec. Là, vraiment, là, il y a quelque chose de profond qui s'est passé, puis c'est cool d'être capable de jaser avec toi, parce que c'est ça, on a pu voir justement la mécanique derrière, tout ce qui se passe, puis vraiment, là, fort intéressant, mon gars. T'as tous mes hommages, je te lève mon chapeau, c'est tout, mon gars, man. Rock and roll. Félix Ambroise Caron qui dit quand Manuel Corps mérite un prix à la disque pour la qualité de son travail et de son dévouement. Merci, c'est gentil. That's it. Mathieu, avais-tu une dernière question pour nous autres? Oui, ben en fait, il y a Mick Bouchard qui demande si ça a déjà été Star Trek flabbergasté. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... un petit peu féfille. Oh my God, j'ai rencontré Brad Pitt, les gros étoiles dans les yeux. Tout, fan, ben, j'ai tout le temps une obsession envers Lemmy de Motorhead. Là, une fois, j'étais à Los Angeles, puis je savais qu'il allait tout le temps au bar. Là, c'était quoi le bar? Le Rainbow? Le Rainbow, c'est ça, il y a sa place. Puis tout, puis Chris, je suis là à LA, je rentre dans le bar, puis il est là. No way. Et que là, ben, évidemment, tu sais, je ne vais pas le voir, tout, parce que des célébrités, j'en ai vu beaucoup à cause de mon père qui est traiteur. Tu sais, je suis en parlant encore ça pendant des heures, tout ce qui s'est passé. David Bowie. Mais à un moment donné, il était là au Colisée, j'ai pris une photo avec lui, puis j'étais quand même impressionné, puis j'avais une figurine dans mon sac, puis je ne l'ai pas fait autographier parce que j'ai oublié à ce moment-là. Quand t'es au dedans. Ouais, c'est ça. J'ai fait la figurine dans...
Mais non, tu sais, sinon quand j'ai organisé une partie de soccer pour les membres des Foo Fighters, on the slide, comme ça, j'avais trouvé ça agréable. Après ça, ils m'ont invité à aller voir. En fait, ils voulaient payer la location du stade de soccer, puis ça ne marchait pas avec sa carte. Je peux payer, puis tu peux me rembourser demain lors du show. Et là, il dit OK, pas de problème. Fait qu'il me donne son numéro de téléphone. On échange des messages textes. C'est que là, je rentre dans l'heure avec les Foo Fighters. Tout. C'est quand même le c'est VIP de même. je dis oui à tout. Je rends des services à beaucoup de monde. Fait que, genre, il y a beaucoup de groupes très gros qui viennent à Québec. Ils ont besoin des services, peu importe. Ils ont des. T'sais, mettons, il y a un groupe qui veut une masseuse ou je ne sais pas trop parce qu'il a mal au dos ou il veut un docteur parce qu'il n'arrive plus à respirer ou je ne sais pas trop. Fait que moi, je suis capable de trouver toutes ces affaires-là. Puis ça fait que j'ai un lien très proche là, avec des. Mais je ne suis pas tant impressionnant. Non, écoute, Carl, ça a été une conversation tellement intéressante à soir. Sérieusement, ça a été vraiment cool, j'ose avec toi. Là, on va aller à notre dernière chanson, mais juste avant. Si t'as de quoi à plugger, là, c'est le temps, parce que là... C'est notre salut. Oui, c'est ça, exact. C'est notre au revoir. Ça fait que c'est le temps de plugger de quoi, man? J'ai hâte de revoir tout le monde à l'anti. Je veux dire, là, pour l'instant, on va se concentrer sur les prochains mois, puis on va vivre ce qu'on peut vivre, comme on peut le vivre avec les shows virtuels. Puis, aussitôt qu'on va pouvoir booker des gros shows, puis des trucs comme ça, on va le faire. Je vais le faire. Si, je vais le faire. J'ai hâte. J'ai hâte de rebrancher les barils de bière. Mais, on est patient, puis c'est ça. Je ne voudrais pas dire qu'il faut respecter les. Il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire pour s'en sortir. Puis, quand on va s'en sortir, ça va être. On va en rire un jour. C'est sûr, c'est certain. Yeah. Bon, ben, vous l'avez entendu ici, mesdames et messieurs, vous étiez à la station d'écoute. On est avec Mathieu Pellerin, Kevin Alpouel, Sim J, puis Carl-Emmanuel Picard de l'Anti-District 7. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous autres. On vous pitch une dernière chanson. On s'en va écouter Voivod avec Ravenous Medicine, une de mes préférées d'eux autres en plus, man. Ça fait qu'on va espérer le mieux. Écoute, Carl nous a dit 2022-2023. Moi, je suis un petit peu plus optimiste. De même, on a oublié de faire ça. Hein? Quoi? Crève, une photo de groupe. Ouais, c'est ça, la photo, je suis en train d'en faire avec mon téléphone. Ah, ben non, c'est ça! Go! Là, c'est qui? C'est pas le meilleur, là, faites les dons. On va faire ça. Ok, fais-le. Quand t'es prêt. It's done. Right on. Yes, le petit moment awkward vidéo parce que là, on avait un petit silence. Mais mesdames et messieurs, vous étiez à la station d'écoute avec le GMPQ. Mathieu Pellerin puis Kevin Lepoel est avec nous autres. Simji, mesdames et messieurs, vous étiez avec Carl-Emmanuel ce soir. Ça a été tout un plaisir informatif, vraiment intéressant comme conversation. N'importe quand, que de quoi, mon Carl, t'en viens avec nous autres. Puis, man, on te pitch ça le plus qu'on peut. Là. Ouais. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Mesdames et messieurs, on s'en va écouter Voivod Ravenous Medicine au moment même. Doctor said you must be in bed. Sad rooms, no!
Got it, girl.